tout le monde. Allez, on se retrouve ce soir là au bord d'une gravière. Malheureusement, je suis arrivé un peu tard, du coup j'ai pas pu filmer mon installation. En même temps, c'est pas bien grave, c'est toujours pareil. Ouais, du coup là je suis venu faire la nuit sur une gravière que j'ai déjà pêché une paire de fois, mais sur un spot qui est totalement inaccessible du bord. Du coup j'ai dû prendre mon mégazod de 1m98, et malgré ces 1m98 j'ai réussi à faire un seul aller. C'était serré mais ça passe. Bon, il commence à être un petit peu vieux ce zod, il commence à fuir un peu de partout. Il y a 6 trous de souris où j'ai mis des rustines, mais bon, à force malheureusement hein, ça commence à devenir compliqué. Voilà, du coup là pour le coup je suis venu pêcher essentiellement à la graine. J'ai pris vraiment le plus simple, j'ai pris du maïs doux et des tigers. Attendez, je reviens. Voilà, du coup je suis venu pêcher essentiellement à la tiger, enfin amorcer essentiellement à la tiger au maïs doux. J'ai mis une canne avec deux tigers légèrement équilibrés et une canne avec deux grains de maïs en plastoc sur un petit spinner rig au bout d'une branche sur limite d'urvase. Voilà, en espérant que ça fasse quelque chose. Et la canne à la tiger, je l'ai foutu carrément sous des branchages là, sur une bordure bien dure. On va voir si les poissons veulent se montrer. On était venu là le week-end dernier et faire une petite partie de stalking avec le blond. Allez, c'est parti, on va montrer à Malvin comment on fait des poissons en stalking. Parce qu'il sait plus trop faire. Wow, il a fait un poisson en plastique. Et on a vu juste là dans l'angle 2 mètres du zod, on avait une miroir qui faisait bien ses 19-20 kilos je pense, qui nous est monté juste à côté. Donc autant dire que ça m'a motivé pour venir la tenter, surtout qu'avant de partir on avait balancé quelques tigers et tout. Donc voilà, en espérant qu'il y en ait une qui veulent se laisser tenter. En tout cas je suis arrivé, j'ai entendu deux poissons monter là, j'ai pas vu qu'il faisait nuit. J'ai même eu le droit à la visite d'un moustique par 3 degrés, tout va bien. Bon, encore ça va, aujourd'hui il a fait un petit peu plus chaud, il a fait 5-6 degrés l'après-midi parce qu'il a flotté depuis ce matin, il pleut. Du coup ça a failli faire que j'ai failli rester chez moi, et non. Juste en fin d'après-midi, il y a eu une petite accalmie. Enfin une accalmie, ça s'est complètement arrêté d'ailleurs. Et c'est tant mieux. Ce matin j'étais pas trop chaud, puis à force de discuter avec un collègue là qui va un peu à la pêche tous les soirs en ce moment, ça m'a motivé. Carp Max, je vous mets son Insta là si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Merci poteau. En cas, ça m'a bien motivé. Voilà, du coup, c'est parti pour la nuit. Là, il est 19h15, je suis arrivé à 17h20. Vous êtes déjà de nuit, truc normal quoi. Voilà. En tout cas, je le sens bien, une journée de pluie avec des températures qui sont un peu remontées, parce que la semaine dernière on était, il gelait toutes les nuits, et là ça fait deux, trois nuits qu'il pleut et que ça gèle pas, donc je pense que ça peut être que bon. On est quand même encore en automne, hein, malgré qu'on soit le 8 décembre, il fait quand même bien frais, hein. On sent bien que l'hiver est pas loin, mais bon, on dira pas aux poissons. Allez, je vais me faire quelques bonnes petites nouilles chinoises avec mes baguettes. Et c'est parti pour la nuit. Je viens tout juste de finir de manger. Gros run sur ma canne au bord là. Tant mieux d'ailleurs. Ça va pas être un gros poisson, mais ça fait plaisir. Avec deux tigers. Ouais, c'est un tout petit poisson.
de Tiger, un petit morceau de pop-up. Et hop là, les fish on. Voilà, je viens juste de finir de manger. Ça va pas trop. Ça a pas été bien long. C'est un petit montage Tiger là. Posé sur le fond, très légèrement équilibré. J'ai laissé 2 minutes dans l'épuisette le temps de tout installer. On a profité pour reprendre ses forces. Une petite miroir. Ça fait bien plaisir. Ça n'aura pas été bien. Hein. Pas exceptionnel. Des jolies petites écailles quand même. Belles petites écailles à mes mères. On va faire une espèce de run. Ça c'était pas run la canne. J'avais le frein un peu serré aussi. Il y a des branches pas bien. Et voilà, ça fait plaisir. Pour bien commencer la nuit. Bon ben. On va la remettre à l'eau la crevette. Merci ma belle. Minuit pile. Sur un petit, j'ai fait un montage pinner rig là avec 2 tigers et un petit grain de maïs blanc en plastoc. Et hop, j'ai eu quelques bips. Je pensais qu'il y avait du carassin parce que j'ai fait un carassin juste avant sur cette canne. Parce que ici, ce n'est point un carassin. En plus, c'est un beau poissonnet. Pas hyper grosse, mais plus grosse que l'autre. Une belle miroir avec des jolies couleurs d'automne. Elle était planquée dans l'arbre celle-ci. Pas très près du bord en plus, que l'arbre il va loin, je suis à bien 5-6 mètres du bord. Et hop, ça fait plaisir. Un petit poissonnet. Bon allez, on va se remettre au chaud et voir s'il y en a pas une autre qui traîne. Bon, on va aller recaler la canne avant avec le zod percé, les pattes dans l'eau, c'est top. Eh ben, il y avait bien longtemps que je l'avais pas sorti ce chauffage. D'ailleurs ça se voit, il en chie bordel. Je l'allume même pas pour moi le chauffage. Hein. C'est pour cette petite bête là. Et ouais, hein, tu te les gèles mon caillon. Oh la pauvre petite canaille. Oh. Donc on s'achauffe de suite. Hein. Ça fait une demi-heure que je l'ai recalé. Elle est repartie. Je vais chercher les branches. Yes. Mais c'est cool ça. Bon bah à nouveau une jolie petite miroir. Un peu plus longue celle-là. En longueur, jolie petite miroir sympathique. Elle a déroulé ça, elle a fait un beau combat. Ça, c'est la canne juste où j'ai fait le départ juste avant. Elle a des belles petites écailles. Hein. Un joli beau poisson. Un joli beau poisson, c'est beau ça. Splendide poissonnet.
Allez, ta loi elle est pas chaude, hein. Ça calme. On a l'eau cette petite bête. Et ce sera un passé de plus cette nuit, hormis des bips et des bips et des bips sur ma canne en bordure là, hier soir quand j'ai calé à plusieurs reprises, j'ai piqué des feuilles, du coup j'ai fait bien attention de recaler et j'ai eu plusieurs bips dans la nuit. Du coup je me suis posé la question si j'avais pas une feuille dessus, du coup je suis allé la recaler. Effectivement j'avais une guirlande de feuilles sur mon bas de ligne, puis j'ai reposé et dans la nuit des bips, et ce matin en remontant encore des feuilles. Donc voilà, une canne qui pêchait pas vraiment. Puis bon, c'est ma canne en bordure et le truc c'est que vu que mon Zod il fait que se dégonfler, à chaque fois je dois le regonfler et puis bon, ça fait un petit peu de bruit quand même, l'air de rien, donc c'est peut-être pas terrible. Bah, du coup ma canne de bordure je l'ai décalée sur une autre bordure en face là-bas, j'ai mis une petite pop-up jaune avec un spinner rig et une poignée de maïs doux seulement. Je l'ai posé bien en bordure sur du dur là, sur une bordure ensoleillée où il y a plein de feuilles en surface, le vent il pousse tout là-bas, on va voir. Et la deuxième canne pareil, elle a fait que biper toute la nuit aussi, je l'ai recalé pareil, on va voir si un poisson qui traîne encore dans le coin. Et il faisait super bon là jusqu'à maintenant, là, grand soleil, malheureusement le mistral il s'est occupé de tout ça. Et là, ça change direct les températures. Mais bon, on va encore rester quelques heures, voir s'il reste un poisson dans le coin qui a faim. Il est midi, donc c'est l'heure. En tout cas, là, pour le coup, je serais venu 100% graines aujourd'hui. Il me restait le tiger que j'ai fait le week-end dernier, mais vu qu'on n'est pas à la pêche, ben, voilà, ça tombe bien. Au passage, j'ai mis une demi-boîte de maïs doux dedans, histoire de... Et ça l'a plutôt bien fait, même si on n'a pas fait des gros poissons, hein. On n'est pas là pour ça. Vu mes résultats en ce moment, je m'en contenterai bien. Qui est pressé de rentrer à la maison.